Wesh, ça vaut quoi? Hop là. Je te dis, je vais être une machine à kill. Hein. C'est vraiment incroyable. Mon gars, c'est ma nouvelle technicité vide. Hop là, régène. Non, vache. J'avais pas l'énergie pour ward ici. J'ai une nouvelle stratégie à vous montrer. Avant de vous montrer la stratégie, je vais juste laisser l'OPGG parler 5 secondes. Regardez les KDA de fou. Hein. 20-12, bon, 7-4, j'ai perdu. 4-2, 20-10, 19-8, 20-8, 10-6, 15-6, 19-4, 22, 19-7. Il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, on va parler de Lee Sin mid. J'ai trouvé enfin ma nouvelle stratégie sur comment grind le ladder avec Lee Sin létalité, ça y est. Je vois, c'est une folie qui rate ça. On va laisser tomber la jungle parce que au final, ma stratégie Lee Sin létalité ne fonctionne plus en jungle. Avec les changements qu'il y a dans la jungle, pour compenser les nerfs, il faut commencer Doran Blade en jungle. La méta fait que, vas-y, les Belvettes, les Jarvan, tout ça, c'est pas forcément évident de jouer l'état là-dedans. Donc maintenant, je me reconvertis au mid. On va quand même abuser de la Doran Blade parce que l'item est vraiment fort. Donc reconversion en mid lane. Et j'applique ma strat là-bas. Et vous avez vu l'OPGG, ça se passe très très bien. Parce que en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, la Doran, il y a eu des changements dessus. Maintenant, ça donne autant d'AD qu'une Long Sword. Mais vous avez la régène et les 100 HP dessus en plus. Alors, ban important au mid. Je vais vous le dire maintenant. Bannez Syndra. Syndra, c'est horrible à affronter ATM. Bannez vraiment Syndra. Bon, tant que j'y suis, je vous montre rapidos la page de rune au mid. Du coup, moi je joue First Strike, bot gratuite, Future Market, Cosmic Insight. Le but c'est d'aller rush les premiers items très rapidement. Vous allez vite voir pourquoi. Avec Lee Sin, on veut très vite Eclipse Collector. C'est comme ça que je joue au mid et je veux très vite ces items pour commencer à one shot tout le monde. Donc First Strike c'est parfait. Une bonne game First Strike aux environs de 20 minutes, j'ai 1000 gold. Pour vous dire, c'est une très bonne rune sur Lee Sin mid. Et je dis bien mid parce qu'en jungle vous en abusez pas autant que ça. Et moi, après, je prends Sudden Impact pour la létalité, Ingenious Hunter pour réduire les CD de l'Eclipse, et AD War Zone, et AD Armure, je prends pas d'attack speed en lane. Alors, start Doran Blade, je vous jure, abusez-en, c'est vraiment fort. Vous avez autant d'AD qu'une Long Sword, mais vous avez la régène en plus. Les 2,5% plus le Z, ça fait 12%. 12% niveau 1, c'est très très fort. Hein. Au niveau de la strat avec Lee Sin mid, en gros, on veut start Q contre les ranges, E contre les mêlées. Contre les ranges, on peut trouver un kill niveau 1. Contre les mêlées, on va spam E. Du coup, vous faites E auto-attaque, vous essayez de mettre un max d'auto au niveau 1 pour trouver un kill niveau 2 en fait. Votre spike en lane, il est niveau 2 avec Lee Sin et je crois qu'il est mort. On va mutol directement, comme ça on va focus la game. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais merci pour le kill. Je sais pas ce qu'il. Je crois qu'il est parti stack son truc, mais il a oublié que j'étais là. Oh. Ma pré-shot. Je sais pas si ma pré-shot, mais j'ai flash dedans. Bon, c'est pas grave. A la base, je voulais rester tranquille jusqu'au niveau 6, mais vu que je suis mort, faut que je compense avec quelques kills. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on push, on décale. Je peux avoir la kill clean, c'est incroyable. Parfait. Là, j'ai le level 6 unlock, donc je vais pouvoir juste full roam à chaque fois. Pas forcément besoin de jouer la lane. Hop, et on va décaler. On va faire des petits checking. Voilà, la balle est là. On fait le tour. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu que l'autre il a décalé instant. Dommage. C'est pas grave, j'avance dans mes items.
Nice. On va jouer ça. On décale au bot direct. Parfait. C'est comment la tech? Bah ça se passe bien mes games avec la tech. Hein. Full roaming, full kill. J'ai un historique de fou malade sur l'ICN. Hein. Ouais, je vais juste au mid pour push la wave et après je bouge. Hein. Tranquillement, je suis patient. Wesh. Pas l'ignite, ça tue, parfait. On va au bot, on va récupérer la Caitlyn. On ignite. Je meurs, mais c'est pas grave. Là, j'ai tous mes kills, je suis lancé. Je m'en prie pour pas prendre les cailloux. Où warder ici? Je peux pas avancer. On va récupérer la wave au bot. Hop, on va push. On va aller récupérer la Caitlyn. J'ai dit qu'on va commencer à s'amuser au bout d'un moment. Ah, il peut wall l'ulti de Lilia. C'est pour ça que c'est pas fait ulti. Putain, j'apprends des choses tous les jours. J'avais même pas on pouvait wall l'ulti de Lilia. Bon, là, j'ai tous les items que je veux. Là, on va rigoler. Là, les mecs, on va rigoler. Vous voyez, j'ai fait un early pas terrible, mais c'est normal quand c'est une lane où c'est compliqué, style Yasuo. Normalement, je suis censé l'éclater, mais vas-y, ça m'a un peu cassé les couilles, je veux bien. Bah juste je bouge, je joue pas forcément la lane. Vous allez voir qu'à partir de là, je vais être une machine à kill. Hein. Déjà, on va s'amuser. Hein. Là, le prochain item que je vais rush, ça va être Dominique. Ah, parce qu'il y a un Cassante. Sinon, j'aurais pris Axiom. Il a pété le Black Shield, c'est bien. Il y a le Drake à jouer dans pas longtemps. Là c'est un peu chiant parce qu'il joue Aram paquet, il faut juste que j'arrive à faire des pics. Hop, voilà ce que je cherchais. Eh bien ça tabasse les Caitlyn. On va juste être patient. Et qu'il y a un mec que je peux tuer qui se pointe. S'en occupe. Là. Tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Je te dis, je vais être une machine à kill. Hein. C'est vraiment incroyable. Yo Kibli, ça vaut quoi? Mon gars, c'est ma nouvelle tech Lee Sin vide. Hop, la régène. Non, dommage. J'avais pas l'énergie pour ward ici. Enfin, dash ici. Je vous l'ai dit, ça va être une game à 20 kills. Hein. La tech est incroyable. Oh boy, ils FF. Bon, bah, c'est pas une game à 20 kills, mais ils FF.